Bonjour, on finit avec les vidéos sur le calcul des sécants en logique du premier ordre, avec une preuve de la correction de ce calcul des sécants. Il y a aussi une preuve de complétude qui est dans les notes de cours, mais qui est un peu difficile. Il y a d'autres résultats dans les notes de cours qui seront aussi facultatifs pour vous. Il y a un résultat très important en général en théorie de la preuve qui est l'élimination des coupures, qui est détaillé dans les notes de cours aussi. Mais là, on va se contenter de la preuve de correction. Alors pour pouvoir définir ce que c'est que la correction, déjà on va définir une notion de satisfaction et de validité pour les sécants, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le cas du calcul des sécants propositionnels. On va dire qu'un sécant, ici, gamma, est satisfait par une interprétation i et une valuation rho, qu'on note ici comme i rho satisfont gamma, s'il existe une formule θ qui apparaît dans mon multi-ensemble gamma, telle que i et rho satisfont ensemble la formule θ. Essentiellement, ça dit qu'un sécant, d'un point de vue sémantique, c'est la disjonction des formules qui apparaissent à l'intérieur. Et ensuite, un sécant gamma est valide, noté comme ceci, si pour toute interprétation i et pour toute valuation rho, on a que i et rho satisfont gamma, c'est ce à quoi on s'attendait. Donc le théorème, qui est le 17.5 dans les notes de cours, le théorème de correction nous dit que si un sécant est prouvable, alors il est valide. D'accord? Et la démonstration, ça se fait par induction structurelle sur les dérivations. Donc, si le sécant est prouvable, ça veut dire qu'il y a un arbre de dérivation de ce sécant avec le sécant tout en bas à la racine et toutes les branches qui sont fermées par des feuilles d'application de l'axiome. Qu'on montre, et c'est la même stratégie de preuve que dans le cas du calcul du sécant propositionnel, c'est que pour chaque règle, si toutes les prémices sont valides, alors la conclusion de la règle va l'être aussi. Donc c'est assez facile de vérifier que, enfin, bon, en fait, dans le cas de l'axiome, on peut vérifier que là, il n'y a pas de prémisse, et donc il faut prouver que la conclusion est valide. Et puis ensuite, ça va percoler vers le bas en appliquant les règles au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la racine tout en bas, où le sécant que je cherchais à montrer est valide, et il va être valide du coup. Donc on va seulement s'intéresser aux deux nouvelles règles, parce qu'on a vu des preuves dans le cas de la règle d'axiome. La disjonction et la conjonction, c'est essentiellement la même analyse qui est faite dans le cas du calcul des sécants au premier ordre que dans le calcul des sécants propositionnels. Donc on va plutôt regarder ce qui se passe pour la règle existentielle et la règle du quantificateur universel. On va y voir justement ce qui se passe pour l'existentielle. Donc on suppose que l'unique prémisse, gamma virgule il existe x tel que phi virgule phi dans lequel j'ai substitué t à x, est valide, où t est un terme quelconque sur ma signature. Et je vais montrer que la conclusion est valide. Donc pour montrer que la conclusion est valide, je vais prendre i rho, une interprétation et une valuation quelconque, et je vais montrer que i rho satisfont ce sécant, ce multi-ensemble ici. Donc, comme le sécant prémisse ici est valide, ça veut dire que i rho satisfont le sécant prémisse. Donc ça veut dire qu'il existe une formule témoin, comme indiqué dans la définition ici. Hein. Il y a une formule là-dedans. Soit elle est parmi les formules qui apparaissent dans gamma, soit c'est la formule il existe x tel que phi, soit c'est la formule phi dans laquelle j'ai remplacé x par t. Donc il existe une formule θ là-dedans, telle que i rho satisfont la formule θ. Alors il y a des cas un peu faciles, parce que si la formule θ i est satisfaite par i rho, et dans le domaine de gamma où c'est la formule il existe x phi, à ce moment-là, cette formule θ, eh ben, c'est un témoin du fait que la conclusion de la règle ici, gamma virgule il existe x phi, c'est une formule là-dedans, que i rho satisfont la formule. Et donc ça va répondre tout de suite. Si θ appartient au domaine de gamma union la formule il existe x phi, alors i rho satisfait le sécant gamma virgule il existe x phi. Maintenant regardons l'autre cas. Le plus intéressant, c'est dans le cas où cette formule témoin, là, θ, c'est la formule phi dans laquelle j'ai remplacé x par le terme t. Donc on a i rho satisfait cette formule. Et le but, c'est de prouver, on va montrer que i rho satisfait la formule il existe x phi et du coup le sécant conclusion. Donc par le lemme de substitution, ce que je sais, c'est que i, virgule, l'évaluation rho modifiée par la substitution x envoyée sur t, ça satisfait la formule phi. Qu'est-ce que ça veut dire?
La variation rho dans laquelle qui est modifiée par la substitution qui envoie x, ça veut dire en fait l'évaluation rho modifiée pour envoyer x sur un certain élément, et cet élément, domaine, c'est la sémantique de t dans l'interprétation i et l'évaluation rho. Et cette évaluation modifiée pour envoyer x sur cet élément du domaine, avec l'interprétation i, tout ça satisfait phi. Donc ça veut bien dire qu'il existe un élément du domaine, et cet élément-là, la sémantique du terme t, l'évaluation rho et l'interprétation i, qui c'est un élément du domaine tel que i, avec rho modifié pour envoyer x sur cet élément du domaine, il se fait phi. Et ça, c'est la définition de dire que i rho, ça fait il existe x tel que phi. Donc du coup, j'ai un témoin à l'intérieur de ce segment, une formule témoin qui me permet de dire que i rho satisfont ma virgule il existe x phi. J'ai pris i rho quelconque, ça montre bien que pour toute interprétation, pour toute valuation, ce séquent est satisfait, il est donc valide, c'est ce qu'on cherchait à montrer. Maintenant, on va passer à l'autre règle, l'autre nouvelle règle du calcul du séquent, qui est la règle de quantification universelle. Donc, à nouveau, on va supposer que la prémisse est valide. La prémisse, c'est gamma virgule i, lequel j'ai remplacé x par y, et y, c'est une variable qui n'apparaît nulle part dans le séquent conclusion. Alors, c'est pas, et c'est quel que soit. Phi, c'est pas une variable libre de. Donc, à nouveau, même raisonnement, on va prendre i rho, une interprétation et une valuation quelconque, et on veut montrer que i rho satisfont ce séquent. Très bien. Alors, on va prendre comme la prémisse ici est valide, ça veut dire que pour tout élément E du domaine, si je prends l'interprétation i et l'évaluation rho dans laquelle j'ai modifié l'évaluation, maintenant je vais envoyer y sur l'élément e. J'ai bien dit ici, pour tout élément e, je vais refaire. Donc pour tout élément e, c'est le cas que mon séquent, prémisse, va être satisfait par l'interprétation i et l'évaluation rho modifiée pour envoyer y sur. Ça, c'est parce que, comme c'est valide, c'est satisfait par tous les choix d'interprétation et d'évaluation que j'ai envie de prendre. Donc pourquoi pas celui-là à chaque fois. Maintenant, pour chaque E dans DI, ça veut dire, puisque cette formule-là, par définition de satisfaire un séquent, ça veut dire qu'il existe une formule témoin, θE. Une formule θE qui est prise dans le domaine de gamma, où c'est la formule φ dans laquelle j'ai substitué y pour x. E, i, dans cette valuation rho où j'envoie y sur e, satisfait la formule θe. C'est pour tout e dans DI, encore une fois. Alors maintenant, deux possibilités. S'il existe un e dans DI tel que cette formule θe appartienne au domaine de gamma, alors bon, là je me répète, on a i rho modifié pour envoyer y sur e qui satisfont ensemble la formule θe, et ça veut dire. Comme y n'appartient pas aux variables libres de gamma, ça c'est bien supposé dans la règle, et donc y n'est pas une variable libre de la formule θe, ça veut dire que i rho sans faire la modification sur y, on s'en fiche de cette modification sur y qui n'est pas une variable libre de θe. Donc i et rho satisfont ensemble la formule θe. Et puis du coup, fait gamma en entier, et puis du coup ça satisfait gamma virgule. Quel que soit x phi, parce que tout ça c'est des disjonctions. Si j'ai une formule dans le lot qui est satisfaite, du coup ça satisfait tout le monde. Ça c'était le premier cas, on va dire le cas le plus facile. Maintenant, l'autre cas, c'est que pour tout e dans DI, ma formule témoin, θe, c'est la formule phi dans laquelle j'ai substitué y pour x. Alors qu'est-ce qui se passe? Je répète encore une fois, ça veut dire que i et rho modifié pour envoyer y sur e, satisfont cette formule-là, et ça c'est le cas pour tout e. Par le lemme de substitution, ça veut dire que pour tout e dans mon domaine, j'ai i, virgule, l'évaluation rho qui envoie, modifié pour envoyer y sur e, et ensuite modifié par la substitution qui envoie x sur y, tout ça ensemble, ça satisfait la formule phi, donnée par le lemme de substitution. Alors ça c'est une valuation. Une valuation obtenue en appliquant une substitution à la valuation ici entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout e dans le domaine,
L'interprétation i, virgule, cette valuation un peu compliquée, ensemble vont satisfaire phi. Quelle est cette valuation compliquée? Alors c'est rho, dans lequel maintenant je vais envoyer y sur e. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais envoyer x sur la sémantique de y dans l'interprétation i et la valuation qui était entre parenthèses, qui est la valuation rho qui envoie y sur e. Et bon, là c'est assez simple en fait. Quelle est la sémantique de y dans cette valuation? Ben, c'est e. C'est-à-dire que pour tout e, un élément de mon domaine, l'interprétation i et l'évaluation rho dans lequel je commence par envoyer y sur e, puis aussi j'envoie y x sur e, tout ça ensemble, ça satisfait ma formule phi. Alors ça se passe pour tout e dans Di. Ça, c'est par définition de la sémantique d'une formule quantifiée universellement. C'est-à-dire que pour tout e dans Di, rho modifié pour envoyer y sur e satisfait la formule quel que soit x, phi. Et là, on a presque fini, puisque du coup, comme y n'est pas une variable libre de quel que soit x, phi, et ben, cette modification de la valuation rho, elle sert à rien. Y n'est pas une formule, une variable libre là-dedans. Du coup, on s'en fiche, on peut retirer cette modification, et du coup, on n'a que i et rho ensemble ont la formule quel que soit x, phi. Ou ben ça c'est une formule témoin dans ce sécant, gamma virgule quel que soit x pi. Donc i et rho satisfont le sécant, et comme tout au début j'avais pris i et rho quelconque, et ben bon, ça dit que ce sécant conclusion de ma règle est valide en supposant que le sécant x de la règle était valide. Ça conclut les deux cas que je voulais détailler de la preuve de ce théorème de correction qui nous dit qu'un sécant prouvable, c'est un sécant valide.